Vapeur arrache de retour ce soir, samedi 19 avril, il est 22h, ça devait m'arriver, je viens d'enregistrer cette review, et à l'enregistrement de la vidéo, ça a planté, ça n'a pas voulu l'enregistrer, donc je suis obligé de la recommencer, donc j'ai l'impression de rabâcher, d'avoir dit des trucs, je vais oublier des trucs parce que je vais croire les avoir déjà dit, enfin bref, c'est la vie, la dure vie du reviewer. Donc aujourd'hui il s'agit de quoi? Il s'agit d'une review sur un petit matériel pas encore vu en review française il me semble, le micro stick by Shells, petit modèle israélien, Timon Mecha, minuscule rikiki, excellent. Pour les amateurs de Stills Mode, Stills Vape. Il tient dans la main. Impressionnant, je vais le montrer tout de suite en gros plan. On va pas perdre de temps, on va essayer de faire une vidéo courte. C'est parti! Hop là! Voilà le micro stick. Les belles traces de doigts. On voit pas très bien. Voilà. Excellent petit mod en aluminium, taille dans un bloc d'aluminium d'un seul tenant, sauf le fond qui se démonte, je vais montrer tout ça. Bouton en stainless steel sur ressort, verrouillable, excellent d'ailleurs. Petite bague de verrouillage, voilà, là il est verrouillé, avec un filetage assez impressionnant qui tourne tout seul, je sais pas, il est vraiment excellent. Il reste bien coincé en haut, enfin coincé non mais... Et hop, il descend d'un tour. On lance le truc et hop, c'est absolument génial. Hop. Donc là, il est accompagné d'un sphéroïde. Le tout m'a été prêté par Maxime, alias Aorias du forum. Merci beaucoup Maxime. Il m'avait déjà prêté le 49 et l'Aqua. Et vraiment, je te remercie énormément de pouvoir... me donner l'opportunité de tester ce matériel qui est rarissime, compliqué à trouver. Donc voilà, je baisse le son un petit peu. Le sphéroïde, on entendra ou pas vite fait. Ce qui nous intéresse, c'est le mode. Donc démontage, switch. Très simple, un ressort, une vis M4 en laiton, tout ça se démonte, hein, enfin simplement si on veut nettoyer, etc. Pas de souci. Très belle finition, impeccable, filetage vraiment au top, comme je le disais. En dessous, alors on a un accu 350 ici, téton vers le bas, important. Évidemment, quand on a un tube, l'accu est comme ça sous le lato. Plateau, la queue, téton en haut, et ici nous sommes comme ça. Ça c'est logique, le tout étant relié en bas par une languette en laiton qui rejoint le téton de la queue et le connecteur 510 sous la taux. Je vais montrer tout ça. Alors on a un filetage en laiton pour le switch. Impeccable. Ici on a un logement pour la taux de 16,5 mm de diamètre avec au fond, je sais pas si on va bien voir, un connecteur 510, tout ce qu'il y a de plus simple, non réglable,
tout ça est démontable, nettoyable, comme on veut. Donc 16,5, je disais. Il y a une liste d'ATO compatibles que je mettrai en annotation sur la vidéo. Il y en a beaucoup, donc je mettrai une partie ici et une partie là. Oula, hop là, une partie là, enfin vous verrez ça. Ça vient du forum anglais UK Vapor, donc voilà. Il y a certains ATO qu'il faut un peu bidouiller. Il y en a où il faut utiliser un adaptateur 510 en bas, parce qu'ils sont un peu courts, j'imagine. Enfin, il y en a quand même beaucoup. En l'occurrence, avec le sphéroïde, c'est juste nickel. Le sphéroïde fait 16. Donc 16,5, vu qu'il est vissé en bas, il n'est pas complètement flush, mais bon, c'est nickel, quoi, ça bouge pas une fois vissé. Deux fenêtres ici pour l'arrivée d'air, pour voir son niveau de juice selon les ATO, j'imagine, et pour aussi le design. Donc tout ça est taillé dans la masse, hein. J'ai vu des vidéos d'usinage sur YouTube. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur le modeur? Sur le modeur, donc Shell, c'est un ami israélien. Où est-ce que j'avais pris des notes? J'avais pris des notes, je vous assure, j'avais pris des notes. Donc il y a un petit shop israélien qui s'appelle Mini Sig, qui vend tous les produits de Shells. Il a fait des modes en tube, il a fait des atos de Genesis d'ailleurs prévus pour rentrer ici. Différents appareils, vous irez voir ça si vous êtes intéressé. Shells, il a une solide expérience dans la programmation des machines CNC, commande numérique par ordinateur, etc., usinage. Expérience dans la qualité, le design, la simplicité et la robustesse. Et en 2012-2013, il a développé plusieurs modes qui ont été vendus sur les forums. Au début, c'était plutôt un hobby, j'ai l'impression, sur Vaporwall et sur Isik Talk. Et il a eu tellement de précommandes, etc., que c'est vite devenu un business, quoi. Il a créé une entreprise. Et voilà. C'est réalisé dans une usine en Israël. Il y a des batchs. Alors ce mode là en particulier, hein, je sais pas pour les autres, est très recherché. Il y a des batchs pas très très fréquents. Je crois que le dernier date de fin 2013. Donc ça devrait pas tarder à revenir. On le trouve sur plusieurs sites, je vous donnerai ça plus tard. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, réalisé en petite série, quoi. Il utilise la même technique qui est utilisée pour les armes. Alors voilà, ça m'a fait un petit peu rigoler. Nos amis israéliens, peuple élu et de paix, entre parenthèses. Donc la même pratique que pour les armes et la même finition satin qui est utilisée pour les fusils d'assaut de l'armée israélienne. L'anodisation apparemment est d'une dureté de 60 sur l'échelle de Rockwell, les spécialistes comprendront. C'est-à-dire qu'elle est très résistante aux rayures, etc. Donc voilà, vraiment un petit mode super pour se balader, pour le mettre dans la poche. Ils disent que les clés se rayeront avant de rayer le mode. Voilà, un petit logo, un petit monkey qui fume la pipe avec un numéro de série, micro stick sympa. Apparemment il est mieux, je sais pas si c'est gravé, je pense pas, si c'est imprimé ou quoi. Je crois que sur les premiers batchs c'était moins beau que ça, là c'est pas mal du tout, c'est assez net. Voilà. Donc pas de vis en laiton pour le switch. On démonte le fond. Au niveau de la taille, alors j'ai noté les tailles quelque part. En 350, il fait 23 d'épaisseur. Alors c'est pas régulier en dessous, hein. Donc 23 j'imagine que c'est au plus large. Il fait 41 de largeur. 41, sans le switch il fait 49, avec le switch 57. Donc voilà, si on veut le comparer par exemple à la billet de box, on est quand même moitié moins, quoi, hein. On pourrait rentrer deux micro sticks dans la billet de box largement, pour ceux qui veulent avoir une idée. Niveau largeur on est sensiblement pareil. Pardon, sensiblement pareil. On tire une petite taf.
Quoi d'autre? Oui, alors là il est en 350 avec une clé Allen de, je crois que c'est 4 ou 5, je ne sais plus. Défait gentiment, sans abîmer les vis, ces deux vis. On a le fond de la même matière qui s'enlève tout seul. Donc on voit ici la languette laiton qui vient relier la queue au connecteur. Ok, le connecteur qui se trouve ici, le connecteur qui pardon, connecteur qui est démontable. Hein. Je vais pas le démonter ici parce que je veux pas risquer d'abîmer quoi que ce soit. Mise au point, s'il te plaît. Mise au point, mise au point. Voilà, en mettant quelque chose dans les deux trous autour du connecteur, on dévisse en fait. Le pin laiton du milieu s'enlève aussi également en poussant simplement. Donc si on veut tout nettoyer, on se retrouve juste avec la cage en alu quoi. Il y a juste le pas de vis laiton ici, qui lui a priori peut pas s'enlever, mais on s'en fout. Et donc on peut acheter en option une extension pour passer du 490, qui est excellent parce que 350, on est quand même vite limité. Rallonge qui est livrée avec une pine en laiton qui vient se mettre là, qui est juste flottante hein, pour faire la jonction jusqu'au connecteur. On replace le même fond. Tout ça est usiné au millimètre, hein. C'est vraiment impeccable. Il n'y a rien qui bouge et on est livré avec deux vis Allen plus longues. Tac. Et on revisse ça gentiment. Allez, gentiment. Sans forcer comme un bourrin, c'est pas la peine. Rassure-toi, Maxime. J'ai bien compris que si je l'abîmais, bah, tu me mettais une balle. Hop là. Et nous voilà en 490-500. Et donc, on prend en longueur, on prend 1,5 cm de plus. Ce qui fait qu'on a du 60, 64 mm sans le switch. Et donc un peu plus avec le switch. A noter qu'en 350, pas de souci avec les AW. Moi j'ai que des AW pour tester de toute façon. Avec les 490, on est un poil short au niveau de la queue. Ce qui fait que, je vais vous montrer ça, en 490 AW. Ça fonctionne, mais il faut vraiment switcher au milieu, quoi. Si on switch sur le côté comme ça peut ne pas firer. Moi, j'ai eu quelques soucis. Donc, j'ai résolu ça très simplement. Encore faut-il en avoir un, mais un petit aimant que j'ai chopé sur un magnète qui va sur un frigo. Un aimant, tout ce qu'il y a de plus bête, qui fait plus ou moins un millimètre, qui fait un bon millimètre, que je viens plaquer sur le téton. Voilà. Et je gagne le millimètre qui manquait. Ça pourrait être un peu moins épais mon aimant, mais j'ai que ça sous la main. Et du coup, vous voyez, là du coup, c'est un peu, il y avait beaucoup de gap une fois qu'on fire, mais bon, c'est pas gênant, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Donc voilà, en 490, moi je préfère. Savoir que Maxime s'est acheté aussi sur un site russe une petite case en cuir très sympa par Parish. Spécial micro-stick avec le petit logo poinçonné très sympa, très bien fait, qui rentre juste parfaitement. Mais je me trompe de sens. Hop, on garde les aérations. Enfin voilà, très bien fait. Agréable en main du coup. Même si l'alu anodisé, c'est pas désagréable en main, je trouve que ça, déjà, ça le protège, puis ça, c'est assez classe, quoi. Donc voilà, on remet son sphéroïde. Et puis on a un petit setup de ouf. Alors ça fire à tous les coups, hein. Même sur les côtés, du coup, avec les vents. Hein. Je crois que les effets sont un peu plus longs, donc à mon avis, pas besoin d'aimant, enfin, j'en sais rien.
Nickel, moi j'aime beaucoup ce petit setup. Le sphéroïde, il me l'a envoyé aussi, même si j'ai l'Iolos, parce qu'il voulait me le faire tester, sachant que j'aime pas trop l'Iolos. Ça marche beaucoup mieux que l'Iolos, mais c'est pas, je sais pas, c'est pas ma vape favorite quoi. Je sais pas, c'est un peu sec, un peu. Je me demande si l'alimentation est suffisante. De toute façon, petite digression sur l'Iolos, moi je trouve totalement délirant que le système soit un vissage quoi. Parce que voilà ce qui se passe quand on dévisse, on voit que les mèches sont n'importe comment. Pour moi, ce système serait viable à la limite si c'était clipsable, c'est-à-dire qu'on reste droit, on appuie et hop, ça verrouille. Là, en vissant, les deux mèches vont tourner, vont se mettre au milieu, éventuellement boucher l'airflow. Enfin, moi, ça me fatigue. Quand c'est bien monté, ça marche bien, la vape est agréable. Un peu sèche, je sais pas pourquoi, pour moi. Voilà. Mais je suis content de l'avoir essayé, parce que c'est quand même bien meilleur que l'Iolos. Désolé, mes amis de chez Gus. Ça marche très bien, 100% VG, sans souci. Savoir que, tiens, j'en profite pour dire que Gus vient de balancer, vient de balancer les premières photos de leur nouvel Iolos à venir, qui sera sans filtre à aquarium, ce qui s'appelle le Sera. Ils viennent de balancer des photos de leur Iolos comme un, comment dire, leur Iolos tank en fait, avec une cloche comme l'Aqua, comme l'Estia. Donc fini le fluffy matériel. À voir, ça peut être intéressant. Donc voilà, on va revenir en plan large. Avec les effets spéciaux, les petites lumières d'ambiance, ouh, comme c'est joli. Donc on trouve, d'ailleurs là j'ai mal remis les mèches, et je me prends un goût de cramé quoi. Franchement, pour un truc qui demande à être rempli plusieurs fois par jour, je trouve ça vraiment pas. Alors je sais, on peut faire un lasso, on peut faire tout ça. Tu restes en place, toi. Yes. Enfin bref. Donc on le trouve sur le site Mini-SIG en Israël, à autostock partout. Hein. Pour le choper, à mon avis, il vaut mieux faire les petites annonces, mais il risque d'être très cher. Ou attendre un batch hypothétique et se ruer dessus à base de F5. 129 $ sur le site israélien. On le trouve également, pour nous, peut-être plus intéressant, sur Super Sigs en Italie, à 139 €. Ouais, plus les frais de port, on est un peu plus cher, puisque a priori, enfin bref, on est bien plus cher, mais c'est pas grave. On le trouve chez Vaprev, je crois que c'est aux États-Unis, en Californie, je crois. Vaprev, 160 $. Là, il a carrément pris. Carrément pris 30 $ plus les frais de port. Vaprev ou aussi aux États-Unis, movapesonline.com, pareil 160. L'extension 45 $. L'extension 45 $. Voyons voir. 45 $ aux États-Unis. En Italie, Mini Sig. Et je ne vois pas l'extension sur Super Six. Alors, il fait aussi des atouts de Genesis petits prévus pour ça, le modeur israélien. Et l'extension en Israël. Suis pas trop préparé. Ça marche très bien. L'extension en Israël, 30 $. Ouais, 30 $. Donc si on arrive à choper tout ça en Israël, il faut voir les frais de port. Je ne sais pas comment ça se passe avec là-bas. Ça risque d'être intéressant de le prendre quand même à la source, quoi. Donc voilà. Le case en cuir coûte. Donc ça c'est en URSS, on est en Russie. Coûte 34 €. Il y a plusieurs modèles avec lanière, sans lanière, pour les ceintures, etc. Sympa, ils font d'autres apparemment pour des Ego, pour des GG, pour des Caravella, enfin faut voir, ils font aussi pour Provari et sur mesure éventuellement.
Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? La liste des atouts compatibles, je vais vous la mettre. Bah voilà, je crois que c'est tout. C'était rapide, mais bon, pas grand-chose à dire, si ce n'est le montrer. Merci beaucoup, Maxime. Vraiment sympa, je suis très content de l'avoir testé. Je pense pas que je vais m'en procurer, hein, personnellement. Notamment, si, remarque, il y a des cartes autant qui vont dedans, mais cartes autant que sans kick, bah, c'est un peu con. Donc non, je pense pas m'en procurer un à l'avenir. Je sais que tu y tiens beaucoup, Maxime, alors je te le renvoie très rapidement. Là, on est donc samedi, ça part lundi ou mardi, et tu le reçois milieu de semaine. Quoi d'autre? Moi, je reprends le boulot mercredi, donc je vais être moins présent sur YouTube. Je vais quand même essayer, j'ai deux, trois reviews à faire. Je vais essayer d'en faire au moins une avant de reprendre. Sinon, tant pis, ça sera le soir ou le week-end. J'ai créé une page Facebook pour la vape. Parce que sur Facebook, j'y suis beaucoup, même quand je travaille. Mais j'avais que ma page perso. J'avais des gens qui m'invitaient. J'étais obligé de refuser parce que j'aime pas mélanger. D'ailleurs, j'en ai accepté quelques-uns que maintenant je vais peut-être virer et garder que sur ma page. Je sais pas comment ça se passe. C'est un peu l'usine à gaz aussi, cette page-là. Trop de trucs à gérer entre le YouTube, le forum, le Facebook, ça commence à me prendre la tête et beaucoup de temps. Mais bon, cette page Facebook qui est ici, je mettrai aussi en dessous, mais là voilà. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Je balance mes vidéos, je balance les infos que je dégote de ci, de là, les promos, les trucs qui m'intéressent, qui m'interpellent sur la vape. Et puis ça permet d'échanger avec vous, peut-être plus simplement que sous chaque vidéo, etc. Même si je garde les commentaires sous les vidéos parce que j'aime beaucoup ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vape, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bonne continuation. Painful to me, pierce right through me. Vive la vape libre. Can't you understand? Like, ah, like, yeah.